Bonjour et bienvenue à tous. Alors, chers camarades d'Afrique, Dramane Ouattara a quitté Abidjan pour venir à Paris. Mais, qu'est-ce qu'il est venu chercher à Paris? Chers camarades d'Afrique, ce jeudi 15 août 2024, Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il y a eu la nécrologie de Bouloury. Vous voyez, le débarquement du Var, le débarquement le débarquement qu'a dirigé, on va dire, le général Leclerc. Le général Leclerc, pour, avec, on va dire, avec les tirailleurs sénégalais, les Africains. Là. Donc Macron est en train de commémorer ça aujourd'hui. Macron commémorait, hein, on va dire, Macron commémorait ça aujourd'hui. Donc, il y a eu des invités, il y a eu des présidents africains qui sont venus, notamment Paul Biya. Paul Biya était là. Mais la Côte d'Ivoire a été représentée. La Côte d'Ivoire a été représentée. La Côte d'Ivoire a été représentée par qui? La Côte d'Ivoire a été représentée chez les camarades d'Afrique par Tene Bremer. Tene Bremer qui a représenté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été représentée par Tene Bremer. Pourquoi je vous fais remarquer ce fait? Parce que, rappelez-vous, les gens de Dramane ont voulu nous faire croire que Dramane Ouattara a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les gens de Dramane Ouattara ont voulu nous faire croire ça. Mais en réalité, il n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture parce qu'il n'a pas été invité. La Côte d'Ivoire a été invitée, mais lui, il n'était pas dedans. Qui était dedans? Qui est venu? C'est Begré Mambé. Begré Mambé qui est venu représenter la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, alors que Paul Biya et sur le terrain, c'est Tene Bremer que Dramane Ouattara envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, depuis Macron, nul doute, le torchon brûle entre les deux. Chers camarades d'Afrique, le torchon brûle entre les deux. Aujourd'hui, Dramane Ouattara, mais quand il y a un événement de haut niveau en France, si ce n'est pas le trisomique, je dirais le trisomique Begré Mambé, c'est le bobo ténébrement qu'on nous envoie. Mais c'est quelle république ça? C'est ça qu'on appelle, chers camarades d'Afrique, la république Bala. La république de Côte d'Ivoire est une république Bala aujourd'hui. Donc, pour dire que, chers camarades, ça sent pas bon entre Dramane Ouattara et ténébrement. Et Macron. Mais il vient ici. Non seulement il vient se soigner, c'est vrai. Parce que son cancer là, il a cancer dans la gorge ici. Cancer là, ça le fatigue. Ça le fatigue. Donc il faut qu'il vienne se soigner. Mais malgré qu'il vienne se soigner, mais il profite de parler à Macron. Pour que Macron puisse jusqu'à présent lui donner son accord afin que le drama y soit candidat. Mais Macron ne veut pas. C'est pourquoi, dans son toronini, en cherchant, on va dire, chers camarades d'Afrique, la sympathie et le soutien de l'Union européenne, il est allé demander au Maroc de mettre visa, d'établir le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous avez compris ça? Il allait établir le visa entre la Côte d'Ivoire et puis le Maroc. Pourquoi faire? Pour faire plaisir à l'Union européenne. Pour soi-disant lutter contre l'immigration. Vous avez compris? Pour soi-disant lutter contre l'immigration. Pour faire plaisir à l'Union européenne. Pour chercher la sympathie de l'Union européenne. Pour se positionner comme l'homme idéal, l'homme incontournable dans la lutte contre, chers camarades d'Afrique, l'immigration. Alors que lui-même
Il est en train de générer l'immigration. Il est en train de créer l'immigration en démolissant les maisons des gens, en détruisant les commerces des gens, en humiliant les gens. D'où même, il crée l'immigration. Regardez à la casse aujourd'hui. Regardez à la casse aujourd'hui. À la casse d'Abobo, eh bien, les frères qui travaillent là-bas, qui économisaient un peu, 2 millions, 3 millions, ils voient que ça ne va pas. Eh bien, ils vont prendre, parce qu'ils ont peur. Ils se disent que quand ils vont investir dans un autre Baka, eh bien, Draman, il va prendre ses briseurs pour les casser. Donc, il prend l'argent et puis il se jette sur l'eau. Il se jette sur l'eau. Mais c'est ça qui fait que l'immigration est créée. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Draman, il ne réfléchit pas à ça. Il va demander à l'Union européenne, il va chercher la sympathie de l'Union européenne en cassant les maisons des gens. Même regardez aussi, chers camarades d'Afrique, les casses, la guerre qu'il a déclarée contre les ferrailleurs, pour empêcher les ferrailleurs de travailler. Mais cette guerre-là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des Libanais. Parce que les ferrailleurs empêchent les Libanais, on va dire, d'une manière ou d'une autre, d'avoir le marché, la totalité du marché des pièces détachées. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, c'est parce que les Libanais sont allés voir Draman pour lui donner l'argent et lui demander de mettre fin aux activités des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui se débrouillent à la casse. Et pourquoi il allait faire ça? Donc, c'est toi, Draman, toi-même qui cherches l'immigration. C'est toi qui crée l'immigration. Et toi qui t'en vas voir les gens afin qu'ils luttent contre l'immigration. T'as demandé au Maroc d'établir un passeport entre le Maroc et puis la Côte d'Ivoire. Mais quand il faut établir, quand on va venir au pouvoir, on va supprimer ce visa. Quand on prend le pouvoir, on va supprimer le visa. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire, chers camarades d'Afrique. Mais, il y a un Malien, un général de division du Mali, un général de division malien qui a demandé, qui a appelé à l'élimination de Draman. Un général de division qui a appelé à l'élimination de Draman. Il dit qu'il faut éliminer Draman Ouattara. Et comment on fait ça? Et Patrice Talon, regardez. Regardez-le. Il va mettre la vidéo, vous allez écouter un peu. Il dit il faut éliminer Draman Ouattara et Patrice Talon, chers camarades d'Afrique. On écoute un peu. Nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Les djihadistes qui se trouvent dans la bande sahélo-saharienne. Vous avez compris? Il dit qu'ils vont se faire un plaisir d'éliminer Alassane Ouattara. C'est un ancien général de brigade. Ce gars-là a été l'un des premiers officiers de l'armée malienne, chers camarades d'Afrique, à pointer du doigt le problème du Mali. Ça, c'était sous ATT même d'abord. Après ATT, sous Ibeka, qui ont dit que c'est la France et la Mauritanie et l'Algérie qui attaquent le Mali, qui sont en train de financer les terroristes pour agresser le Mali. Lui là, c'est un 10. Mais il dit qu'ils vont tout faire. Il dit qu'ils vont tout faire pour éliminer Draman. Ils vont tout faire pour éliminer Talon. Je me demande, est-ce que c'est pas cette vidéo même qui avait Draman Ouattara, il a fait crise aujourd'hui, puis l'ont pris pour l'envoyer en France ici. Je ne comprends pas. Est-ce pas ça qui avait que Draman, il a fait crise? Il a piqué une crise et ils l'ont ramassé Darda pour l'envoyer en France, pour le soigner. Parce que Ville, il a parlé. Hein. De toute façon, Ville a parlé là. Je me demande, est-ce que Ville n'a pas appliqué ce qu'il a dit? Est-ce que Ville n'a pas appliqué? Chers camarades d'Afrique, ça fait peur. Ça fait peur. Et parce que Draman, il a eu peur. Il a pris peur de Waouro. Frère, non, l'heure est grave. Il y aura magne. Chers camarades d'Afrique. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui,
c'est que Draman, il a une mauvaise posture. Ça ne va pas du tout. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on prête attention. Mais quand tu le vois voyager comme ça, c'est qu'il prépare un sale coup à Abidjan. Mais c'est un peureux. Quand il veut chier, il met l'équipe d'Abidjan. Encore prêter l'oreille, tu vois que dans ce temps-ci, là, il veut faire une bêtise à Abidjan. Là. Il veut faire une bêtise, donc c'est un peureux. Il a peur. Quand il voit que c'est gâté, il veut chier, il fuit, il va apparaître d'abord, il chie. Quand il finit de chier, quand le chiement est réglé, là, mais il rentre maintenant. Mais en tout cas, chers camarades, le moins qu'on puisse dire, c'est que Draman, ça va pas. Ça va pas sur lui. Il a mauvaise posture, il a acculé de partout. Son soutien le plus fort, la France ne veut plus de lui. La France a déjà choisi son pion. Les États-Unis ne veulent plus de lui. Ils ont déjà choisi leur pion. Donc le Waworo, il est en train d'échier par tous les mots. Il a la boulimie du pouvoir. Il a la boulimie du pouvoir. Il veut demeurer au pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Aujourd'hui, là, les Occidentaux, là, eux, ils se disent que, surtout même les maîtres de Macron, là, eux, ils accusent Macron d'avoir permis à Draman Ouattara de faire son troisième mandat. Eux, ils l'accusent. Et ils ne sont pas. C'est qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont fâchés contre Macron. Parce que c'est à cause du troisième mandat de Draman Ouattara qu'il y a eu la modification de la Constitution en 2016. Laquelle modification a permis à Gbagbo de revenir dans la scène politique, sur la scène politique. Est-ce que vous avez compris? C'est la modification de la Constitution en 2016 qui a fait que Gbagbo est revenu dans la politique. Alors que Gbagbo, là, c'est le bête noire. Gbagbo, c'est la bête noire des Occidentaux. Donc, le fait que Draman Ouattara ait fait revenir Gbagbo dans le jeu politique, là, mais eux, ils sont fâchés. Donc, ça, déjà, il y a cette haine-là que les maîtres, que l'État profond porte contre Draman, contre Macron même d'abord. Ben, ils disent que Macron, c'est un petit joueur. Macron, c'est un Kodougou. Il n'a pas pu gérer les choses. Il n'a pas pu empêcher Draman, chez camarade d'Afrique, de faire son troisième mandat. Draman Ouattara aurait dû laisser tomber tout ça. Et Gbagbo serait mis de côté. Parce que si la Constitution restait, François Auto, merci camarade de mettre ta position. Si la Constitution restait telle qu'elle était avant 2016, c'est-à-dire que 75 ans, le verrou de 75 ans, Gbagbo était déjà éliminé. Mais Draman Ouattara, il a sauté le verrou pour permettre à Bédier, et lui, non, pas pour permettre à Bédier, pour amadouer Bédier, avec que Bédier puisse lancer l'appel depuis Dakoro. Est-ce que vous avez compris? Avec que Bédier puisse lancer l'appel depuis Dakoro pour lui permettre de faire son deuxième mandat. Et puis en 2020 maintenant, il a mis Bédier de côté et maintenant il est monté maintenant chez camarade d'Afrique. Il est monté maintenant sur le tatami pour dire qu'il veut faire troisième mandat. Donc allez là, les Blancs, ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre Macron même. Macron qui a félicité Draman là, ils sont fâchés contre lui. Et ils pensaient que Gbagbo n'allait jamais sortir. Ouais, Gbagbo maintenant, il est là. Il est là maintenant. C'est gâté sur. C'est gâté sur Draman. Hein? Donc, Macron même, ses mecs même, ils sont en train de mettre feu derrière lui d'abord. Donc, Macron dit, mais quand Draman appelle Macron pour dire, viens mon roi, c'est comment? Hein? C'est comment? On m'en a fait les 4 mandats là, c'est comment? Macron dit, hey, si tu ne me laisses pas en paix, tu vas voir. Moi-même, mes morts sont en train de me mettre pression ici, tu as quel problème? Quittez ici. Donc, allez, c'est pas bon. Vous avez vu dans les Jeux Olympiques, ah, bon, d'accord. Vous avez vu qui est venu, non? Draman, vous l'avez vu. Mais Draman qui aime se vautrer partout.
Draman qui aime paraître. C'est Draman même. Même, comment on appelle ça? Même funérailles. Même, parce que c'est l'anniversaire du. C'est le 80e anniversaire du débarquement, là. Où il y avait nos. Où il y avait les tireurs sénégalais sont tombés, là. Mais c'est l'anniversaire de ça qui était aujourd'hui. Même funérailles, on veut pas le voir. Même dans funérailles, Macron te chasse. Et il n'a pas honte. Je sais même pas. Il sait même pas, il est fan de son complet là. Attends, il y a au moins le complet. Il y a un complet qu'il porte là. Voilà, complet ça là. Ça là. Il est fan de ça. Ça là. C'est-à-dire qu'il porte ça tout. Ça là. C'est que ouais là. Pour aller en France, il a porté. C'est même habillé là, hein. Il change pas, c'est le même habit là. Pour aller en France, le mois passé là, pour venir en France, il a porté. Pour aller à Abidjan, il a porté. Aujourd'hui encore, pour quitter Abidjan, il a porté. Bon, pour rentrer à Abidjan, il a porté. C'est le même habit là qu'il a là. Même habit là. Quatre poches. C'est quatre poches. Serré. Je ne sais pas si c'est là. Si c'est ça, on appelle serré. Si c'est quoi, on appelle serré. C'est-à-dire que ça là, c'est quatre poches. Ouais. Avec son chapeau de vieux cowboy. Avec son chapeau de vieux cowboy. Hein? Ça. Ouais, merci beaucoup. Avec son chapeau là. Ça là. C'est ça. Même ré là. C'est que c'est accoutrement ça là. Il a pris pour venir en France. C'est ça, il a pris pour repartir. C'est ça encore, il a pris pour revenir. Bon, c'est ça encore, il va prendre pour repartir encore à Abidjan. Tu le vois comme ça là. Bon, quand un homme arrive comme ça, c'est-à-dire que la vieille s'est emparée de lui. C'est-à-dire qu'il peut plus. C'est fini. Il a un problème dans la tête. C'est Abissa là, il aime. Ça là seulement, il veut. C'est ça là seulement, il veut. Même couleur, même. C'est même accoutrement là. Complet là. C'est ça, il aime. C'est ça, il porte pour aller. Et puis c'est bleu, hein. C'est bleu. Mais si tu es d'un PPA, c'est il faut dire. Si tu es devenu PPA, c'est il faut dire. On va t'accompagner. Allez, c'est vous qui avez l'air en Afrique. Si tu es d'un PPA, c'est il faut dire. Non, on t'accompagne. Hein? Tu es malade. Tu es malade. Il y a cancer. Je ne sais pas si c'est coco. Parce qu'il y a des cocos qui sortent dans la gorge. Je ne sais pas si c'est Coco qui est dans la gorge. C'est ça qui fait que vous le voyez quand il parle, il suffoque là. C'est ça qui fait ça. Coco qui est dans sa gorge là, c'est ça qui fait ça. Donc, tu as Coco dans la gorge. Tu es vieux. Comment? Et puis, tu as braqué les élections en 2020. Et tu veux venir braquer les élections encore? Non. Ça là, c'est compliqué. Donc, les blancs même ne veulent plus entendre parler de lui. Ils ne veulent plus entendre parler. Mais il est en train de tout cafouiller. C'est pourquoi il est en train de tout cafouiller. Quand il pense que les blancs ne veulent plus rien entendre parler de lui, c'est qu'il veut détruire pour faire plaisir aux blancs. Et ça, vous comprenez. Toutes les personnes, je dirais toutes les personnalités qui vont l'appeler pour dire, moi, je vais parler avec Macron pour qu'il puisse... J'ai parlé à Macron pour qu'il puisse te permettre d'aller à ton quatrième mandat. Hop! Il dit, tu veux quoi? Si la personne dit, je veux un terrain à Cocody, il dit, viens. Il dit, bon, il faut choisir. Quand le gars dit, c'est ici, je veux dire, attends. Ils vont casser mes oeufs d'ailleurs, et puis il dit, tiens, il faut prendre. Aujourd'hui, là, Draman, il est risqué. Hein? François Zanto, merci encore. Il est risqué, hein? Draman est risqué, où je vous parle là, Draman est risqué. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout. Mais je me dis, même très brièvement, si quelqu'un dit qu'il a besoin de quelqu'un, il est capable de vendre très brièvement. Il est capable de vendre très brièvement. J'ai dit un jour, les deux là, ils vont se fioler. Un va empoisonner un.
entre les deux là, il y a un qui va empoisonner un. Mais si Draman même s'amuse, s'il ne fait pas attention, et qu'il emmène beaucoup Macron, il va lui donner un petit poison, puis il va mourir. Aïe! Mais tu te soignes chez eux, tu bois leur eau, tu manges chez eux. Pour t'empoisonner, c'est facile. Quatre mandats là, c'est forcé. Vieux Waworo, comme ça. Il pense même pas. Mais si vous reconnaissez, il pense même pas à sa retraite. Il pense même pas faire aller se reposer, se soigner. Tu es malade. Va te soigner. Tu penses pas à ça. Tu penses à nous emmerder seulement. Non, c'est fini. Camarade, allez vous faire enrôler. C'est ça seulement qu'il peut vous demander. Allez vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler seulement. Voilà. Allez vous faire enrôler. Mais quand vous n'allez pas vous faire enrôler, les gens vont passer derrière pour nous faire ça. Mais si vous êtes enrôlé et qu'on est au moins, je dirais, là, il y a 8 millions de personnes sur 30 millions. C'est peu. Si on est au moins 15 millions sur la liste électorale, c'est fini. Fraude peut pas. On gagne haut les mains. Maintenant, si on gagne, s'il dit c'est lui qui a gagné, on s'en va derrière lui pour aller l'enlever. On s'en va derrière lui, on marche pour aller l'enlever. C'est-à-dire que lui, maintenant, il va voir le monde, il va fuir. Drama, c'est un peureux. C'est un peureux. Où est-ce que quand il veut gâter Abidjan, il fuit. Il vient en France. Quand il veut faire connerie, il fuit, il vient en France. Même à faire de les trucs là, à Djamé là, il était en France ici. Il était en France. Peut-être son jet privé est toujours calé. Partout il s'en va, son jet est calé. Et quand ça chauffe net, il ne sait pas quand ça peut chauffer. Donc quand ça chauffe net, il prend son jet puis il s'en va. Il s'envole. Ben, c'est un peureux. Voilà. Donc c'est à nous de savoir faire les choses et de l'aider à partir. Il a la maison à Cannes. On dit la maison à Cannes. Et la maison est dans le 16e à Paris ici. Il n'a qu'à venir vivre ici. Il n'a qu'à nous laisser en paix dans notre pays. On va récupérer notre pays. Avec le passeport, il n'y a plus visa entre les... Maroc. Toi, Draman, tu as dit que tu as fait un métro. Normalement, le métro était prévu pour 2020. Le métro, là, c'était prévu pour 2020. On est en 2024, on n'a pas convu le métro. Mais où les Ivoiriens vont pour aller monter dans le métro là? Tu dis faut plus, ils vont partir là-bas. C'est au Maroc que les Ivoiriens vont pour aller voir le métro. C'est là-bas que les Ivoiriens arrivent à rentrer dans le métro. C'est là-bas. Comment on met ça? À Marrakech. C'est là-bas. Et c'est le lieu touristique là, qui sont là-bas. Tu dis ils vont plus là-bas. Tu dis faut plus, ils vont partir là-bas. Mais toi, ton métro, ils attendent ça depuis longtemps. Ils ne voyaient pas ça. Tu veux les étouffer. Ah, nous, on te laisse. Bon, comme nous, Maroc, là, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, si tu ne fais pas attention, vrai, là, ah, les influenceurs, là, vont se dire contre toi. Si eux, ils ont levé aussi, ah, comme eux aussi, tu les as achetés. Donc, on est dedans, et puis on se regarde. Donc, camarade peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.